Bienvenue, c'est Fredo. C'est le 19e épisode des aventures de City Skylines Marinex. Si j'ai bien compté, parce qu'il y a un certain décalage entre le moment où j'enregistre et la diffusion sur YouTube. Donc j'espère que je suis à jour de ce côté-là. C'est pas là le nouveau quartier, c'est là. Beaucoup de problèmes de poubelle, on avait relevé fin d'épisode la dernière fois. Donc, hop, on va déplacer ce qu'il y a dans cette zone industrielle qui est plus censée en être une. Niveau circulation, on a l'air d'être bien aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui se passe là? On est très bien même, bravo. Je ne comprends pas ce qui se passe ce jour. Là, on est comment? Toujours pas si bien que ça là. Pourquoi les gens sont malades? Installer un centre médical dans ce quartier. On va le mettre. Il n'y en a pas du tout là. Bon, on va le mettre par là. Non, mais là on est en très bien de l'argent. Oh, c'est pénible. Que c'est que cette icône, pas cette marchandise à vendre. Bon. Ouais, c'est que c'est toujours sur cette autoroute là qu'il y a des problèmes de circulation. Ouais. Bon. Ok. J'avais essayé de mettre un métro. Non, la dernière fois, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais essayé. C'est où? C'est même pas là en fait. J'avais pas essayé la dernière fois de faire un truc de métro et. Non, bah non, finalement ça s'est pas fait, ok. Attends, est-ce que ça a bien... Oui, ça a bien enregistré. Ça n'a pas fait comme la dernière fois où ça... Non, bah, ça a l'air d'aller. Bon. Bon, financièrement, il faut que ça se stabilise là parce que c'est pénible quand même, hein. Ouais, mes ponts sont bien là, donc c'est bon, ça a bien enregistré là. Putain, les trains, c'est impressionnant. Il faut en mettre plus, hein, j'ai l'impression. On va mettre une gare de marchandises ici, enfin quand on aura de nouveau de l'argent. Les impôts sont pas assez chers, là on va juste passer à 11 parce que avec tout ce qu'il y a dans la ville quand même là. On va virer en fait la gare qu'il y a là-bas, dans l'ancienne zone industrielle.
On va se déplacer et on va du coup te mettre là. Et ce qu'il y a là, on coupe. Normalement, ça devrait pas niquer les lignes de train existantes là. Fais voir. Les lignes de train, elles sont. Bah du coup, il n'y en avait qu'une parce que j'avais fait rejoindre les deux. Très bien. À ce niveau, 155 000 balles. Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire ce crématorium pour coûter 155 000 balles? Putain. Au niveau budget, on va peut-être augmenter. Médical, médical. Voilà, comme ça on est bien. Transport en commun, mon métro, on s'en fout, pas besoin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il nous fait payer quelque chose parce que. Fais voir. J'avais essayé de construire un truc, mais ça avait pas. Et ouais, la station est restée en fait. Et on la vire. Et là, il n'y a pas de station, on est d'accord. Ensuite. Donc ça, le train. Budget train, bon, ça va. Budget bâtiment unique. Tac. Budget parc. Budget éducation important. Bon, allez, on va continuer à développer des quartiers là. Donc là, on arrive vers un lac. Donc là, ce sera plus résidentiel maison pour le coup. Voilà. Donc hop. Tout ça. On va virer ça là. Résidentielle maison, tac, tac. Voilà, et là on mettra des. Des commerces.
Hop, voilà. On mettra une école quand ce sera commencera à être habité. Ensuite, là, il y a besoin d'eau. Et on va travailler le chemin de fer du coup. Pour le train. Où est-il? C'est ça? Ouais, c'est ça. Comment ça, espace déjà occupé? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Il y a des problèmes d'eau. Eh ben, les problèmes d'eau, on va mettre un petit château d'eau. Ici. Ici. Voilà. Ensuite. Là, du coup, c'est bon, ça peut. Ça fonctionne, c'est ouvert, oui. Ensuite, on va développer ce quartier-là. Donc, tac, on a l'autoroute. Je fais comme ça. Non, pas besoin. Ce quartier-là, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Ce seront des habitations forte densité, je pense. Ouais. On mettra une nouvelle station de train ici aussi, je pense. Voilà. Là, il y aura beaucoup de parcs.
On va faire une concentration de parc ici. Et le reste, ce sera les zones voilà. On va faire une sortie d'autoroute pour là. Assez large peut-être. En fait, ça sert à rien parce que là, t'as ça juste à côté, donc bon. C'est pas top, hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de bugger. Il faudrait qu'elle retombe directement ici, la sortie d'autoroute, mais là ça va pas être donné là. Voilà en gros. Donc pour ce nouveau quartier, deux nouveaux quartiers en fait, on a fait dans cet épisode. Il y a besoin d'eau là. Dans l'hypercentre, il n'y a rien qu'on puisse... Tout a l'air de bien se passer ici. Hein. Je sais vraiment pas comment pallier à ce problème de circulation autoroutière. Peut-être faire un nouveau truc ici. Mais bon, je pense pas que ça va aider parce que tout le monde cherche à aller en ville là en fait.
Bon. En tout cas, on a de l'argent qui s'accumule, donc on peut peut-être développer d'autres quartiers. Je sais pas trop. Ça, on n'en avait pas un déjà. Non, parce qu'en général, quand on installe un truc, il... Après, il se met... Il se barre. Donc, non. S'il n'est pas barré, c'est qu'on l'a pas acheté. Quoique, non, c'est une histoire de thune, en fait. Là, je sais plus si celui-là, je l'ai. Tour du transport, ça me dit rien. Hein. Je crois pas que je l'ai. Voilà. Ensuite, on a quoi? Je me passe quoi ce truc? Oh, un shopping mall. Stylé. Ça coûte si cher que ça. 85 000. Ah bah, j'ai l'argent, tu vois. Bon. C'est quoi ça? D'accord. Pourquoi pas, j'installe des trucs un peu random des fois, tu vois. Oh, c'est joli, ça je l'ai pas déjà installé, non? Voilà. Ça. Non plus, hein. Ah, niveau richesse, là, du coup, c'est bien riche, ouais. Ouh là, il y a la criminalité, par contre. On va virer ce poste-là. Et on va mettre... Ah mais du coup on n'a pas la thune, c'est combien ça? 60 000? Voilà. Donc ce quartier est bien riche, hein, visiblement. C'est bien, tant mieux. Là aussi il a l'air d'avoir de l'argent. Et là aussi. D'accord. Ok. Statistiques, tiens, tant qu'on y est, électricité. Bon, ça va. L'eau. Belle. Santé. Habitants malades, 1150 capacité de soins, 1100. On va peut-être ajouter des centres. Service funéraire, capacité 15 000. On est très bon. Faut augmenter les impôts là pour ce qui est des ça peut-être non il faut en mettre plus en fait il faut en mettre plus pour polluer l'eau. La prochaine série, on mettra un mode no pollution aussi, hein, parce que c'est terrible. Les hein. Gens ne peuvent même pas aller à la mer parce que la mer est en train d'être polluée à mort. Et ce lac, j'aurais voulu en faire un bon usage à un moment, mais... Bon, on n'y est pas, quoi.
ni à la saison, que peut-être j'aurais pas pu utiliser ce lac. Voilà. Ensuite, il y a toujours un problème de poubelle, c'est fou, hein. Ça aurait été la bête noire de cette série, quoi. Ça, on va le déplacer. Et on va peut-être essayer de faire un truc de métro là. Je sais pas vraiment comment pallier cette histoire. Mais j'ai pas compris aussi un truc de métro. Si tu mets une station. Je peux pas. Mais non, mais je veux pas faire ça. Il n'a pas compris. Je comprends pas pourquoi ça veut pas me le faire comme ça le faisait avant, quoi. Oh, tant pis, tant pis. Ça me perturbe. J'insiste, mais bon. Ça me fait chier cette histoire. Je comprends pas pourquoi c'est pas souterrain comme un métro normal, quoi. Enfin, en tout cas, plus il y a d'alternatives de transport, mieux c'est, j'imagine. Là, il y a une station. Évidemment, on a dépensé trop de thunes pour faire une station. Hop. On va faire une première ligne du coup. Vu qu'on a on a fait ça. Vas-y, alors une ligne. Tac. Tac. Tac, ça rejoint ou pas? Non, ça rejoint pas. Un arrêt. Un arrêt. Ça rejoint pas. Pourquoi tu... C'est quoi ta merde là? Il y a vraiment quelque chose de off avec ce métro, hein.
Je vais voir. Ça marche pas, hein? Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas. Si on fait une station classique. Ça rejoint pas. Putain. C'est fatigant, hein. Ça rejoint pas. Voilà. Maintenant, si tu fais une ligne de métro comme ça. Tac. Tac. Et tac. Non, ça rejoint pas. Il y a un problème avec le métro dans la version du jeu que j'ai. Parce que c'est pas comme ça normalement, quoi. Problème de merde. Donc on va supprimer pour une énième fois. On fait perdre mon temps. Faudra se passer le métro, on mettra de plus de trains s'il faut, voilà, une très nouvelle gare, même si les trains c'est la folie parce que même les trains c'est embouteillé comme pas possible. Plus de lignes de bus, je sais pas. Je sais pas ce que peut-être c'est un mode que j'ai installé ou des objets ou je sais pas quoi, mais il a l'air de faire un mix métro-train qui est très bizarre. Voilà. Tout cas, ouais, on va faire une ligne. On va faire une ligne de train. On va faire une nouvelle gare ici. Et voilà. Comment on peut faire ça? Ah, souris là. On va juste faire dépasser la route un peu. Juste pour mettre cette gare. Et voilà. C'est où que ça a rejoint? On a dit qu'on faisait des boissons. Donc tac, voilà. Et voilà comment on va laisser cet épisode. Peut-être acheter quelques terrains. Non, c'est bon. Par contre, il y a un gros besoin commercial.
Tac. Tac. Voilà. Le besoin commercial, on va le mettre ici aussi. Et on va peut-être refaire une grosse zone. Mais on va élargir cette zone-là, là. Ah non, c'est pas bon. Voilà. Ah, il a besoin d'électricité, tac. Là, ça va rejoindre. C'est génial parce que les lignes ont la couleur qu'on leur donne visiblement. Ça, c'est trop stylé. Je kiffe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Bon, voilà ce qu'on peut faire pour cet épisode. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de City Skylines Marinex. À très bientôt. Merde. C'est pas ça que je voulais faire, mais j'étais pas satisfait de ce qu'on voyait. Peut-être quelques petites vues cinématique ou cinématographique, je sais pas comment on dit, avant de se quitter, voilà.